Donc tu as noir, komoku, contre, oshi, double komoku, double oshi, ok. Et il kick direct, ok. Moi juste un coup personnel je suis pas très fan de ça mais... Euh... Mais après ça se joue pas mal. Après là il faut être prêt, tu le kick, euh, il te kick, mais euh, il te renforce en direction de ta pierre. Donc ça semble quand même sympa, surtout que c'est même pas un oshi qu'il y a ici. C'est un komoku donc euh, le bord nord est vraiment intéressant parce qu'il y a une, dernière, une intersection de plus. Donc je suis... L'IA dit que c'est ok, moi je suis vraiment pas très fan du O17, surtout quand c'est plus grand le, le bord, quand il y a plus de potentiel. Et il descend, ok. Donc là, le, la suite, moi je vais regarder juste ce qui se passe, toi tu étends et lui étend. Ok. En fait, la séquence classique, normalement, c'est il étend ici, toi tu peux étendre par là, plutôt en quatrième ligne, et euh, lui il peut, s'il le désire, rajouter un coup en troisième ligne de ce côté, notamment pour proté protéger... Euh, une approche potentielle en C12 directement qui fera assez mal. Qui sera assez chiante plutôt qu'on va dire. Euh, je joue que contre des adversaires en 10, 15 Q, OGS, et j'ai réussi à monter à 9 Q. Ah, pas mal du coup, pas mal. C'est chouette, je savais pas qu'on pouvait te demander des parties. Ouais, oui, ouais. Bah, je, je mettais ça, mais c'est assez Bah Comme j'ai des descriptions assez longues sur YouTube, c'est. Euh, j'avais marqué ça, je crois, une deux fois, j'avais fait en deux commentaires. J'avais fait même créer une adresse mail, euh, mais. Euh, j'avais pas reçu beaucoup de mails, du coup c'est plus pratique que par Discord où on en discute directement, c'est sûr. Euh, comment réagir face à E18 Je pense que tu réagis d'une manière assez. C'est euh, pas toi du coup, mais je pense qu'il réagit d'une manière assez correcte. Euh... Ah oui. Sur KGS, c'est toujours assez chiant. Euh, quand on revient au coup avant et qu'on met suivant, ça prendra toujours la variation qu'on a créée plutôt que la partie normale. C'est assez chiant. Euh, quand il descend comme ça, je pense que ça c'est assez correct. Après. Un peu dur de défendre en troisième ligne, peut-être plutôt en quatrième ligne. C'est pas grave d'aller là plutôt. De toute manière, on cherche l'influence à prouver. Territoire, ça va être un peu dur de, de le défendre. Il faudrait rajouter en encore un coup, mais là on serait peut-être un peu surconcentré. C'est un peu dommage. Euh, je pense que la meilleure façon de réagir, c'est comme quand euh, je sais que ici, si l'adversaire fait ça et qu'il tenuki, -qui, non, et qu'il passe, il pince, y a ça comme punition. Donc, euh, peut-être à chercher ça quand il joue E18. On va regarder ça. Parce que ici, la punition sur ça, c'est tac, tac. Quand Blanc continue, on coupe. Blanc capture. S'il fait Atari de ce côté, le problème c'est qu'il risque de perdre ses deux pierres en Kusumi. Donc, Blanc fait Atari de ce côté, il va s'emparer de la pierre, effectivement. On descend. Quasiment à chaque fois qu'on est en troisième ligne, euh, en Atari en troisième ligne, on descend une fois pour euh, créer un peu d'Aji et obtenir de meilleures formes. Effectivement, Blanc continue. On peut faire cet Atari. Blanc protège. On peut venir là. Si Blanc ne répond pas, on capture les pierres, donc c'est dramatique. Donc Blanc vient pour capturer. On fait Atari. Blanc capture. Et on revient. Et finalement, Blanc a le coin, certes, il a une dizaine de points. Mais nous, on a gagné... Euh, ça comme coup à l'extérieur et ici il peut même pas euh, euh, continuer sur le sur le bord parce que s'il vient là on coupe et s'il capture la pierre on sacrifie et euh, voilà on a bloqué l'accès donc c'est pas mal comme petite punition donc avec e18 peut-être qu'une séquence euh, similaire existe on va regarder ça alors je regarde si vous avez dit des petits trucs je pensais aussi au Tsuke, mais avec E18, il est quand même un peu plus fort. Je me demande s'il n'y a pas un truc moins frontal. Mmh, bah justement, ouais, je pense à K16. Si on regarde, dans... si on regarde vers, le... vers le centre et le bord, euh... le bord est, euh, ta pierre en R16 est en quatrième ligne, si on regarde que de ce côté. Euh... Celle-ci est en quatrième ligne. Donc c'est assez intéressant de jouer en quatrième ligne, je pense. En mode je vais jouer le centre du coup l'influence. J'ai l'impression qu'on s'écrase un peu en jouant en, en J17. Je pense pas que ce soit un mauvais coup, mais peut-être un petit peu lent, en fait. Et ouais, on va regarder ce que ça donne ça, c'est sûr. Parce qu'à ce moment-là, si on coupe, est-ce que blanc a le droit de faire ça, tout simplement Et peut-être, ouais. Parce que là, il faudrait continuer comme ça. Et ça n'a pas l'air de bien marcher pour... Euh... Non, ça n'a pas l'air de bien marcher pour, euh, pour obtenir ça. On donne un peu plus quoi. Après, la différence, c'est qu'il n'y a pas de pierre blanche ici. Donc on a un mur vraiment très solide et euh, je pense que c'est ça, ça, pas si mal, je pense. Bon, ça coûte rien de faire ça, je pense. Tac. Et ouais, on fait ça. On a un mur assez solide quand même. Je pense que la noire est content parce que même s'il y a une petite faiblesse ici, c'est bon pour noir. Parce que blanc il se fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 points sur. On va dire 15 sur, c'est 5 de plus que tout à l'heure. Mais noir a une influence beaucoup plus solide que dans l'autre séquence où c'est comme ça. Parce que là il a une influence certes. Euh, on va revenir juste avant, la fin de séquence c'est ça. Ah. Euh, il a une influence certes, mais il y a également, euh, je vais mettre carré, il y a également cette faiblesse là, mais il y a celle-ci aussi. Euh, dans l'autre séquence, on est descendu en F18 et on a eu E19, donc là, il n'y a pas ça. Donc blanc, il peut jouer par là pour mener à cette connectée et en même temps aider cette pierre. Et justement, il y a la présence de cette pierre. Donc l'autre séquence est largement mieux. Ouais. Donc, c'est pas mal de faire ça. Encore une fois, sacrifier, descendre une fois, une deuxième fois, juste pour gagner des coups gratuits de ce côté. Ça a l'air pas mal. Salut Fredo, comment ça va N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Euh, pourquoi F14 c'est une faiblesse ah, J'y reviens euh, dans l'autre séquence. F14. D'accord. Euh, F14 c'est une faiblesse parce que ça menace tout simplement de couper en E15 directement. En fait, ça joue sur la forme. Quoi. Noir, il aimerait bien. Une des très bonnes formes euh, au jeu de Go, en fait, on dit très souvent quand t'as ta base, on va dire, euh, t'as ta base, t'as ta pierre, une des formes les plus solides, c'est un obi. Là, euh, c'est même la forme la plus solide, t'es connecté 100%. Euh, si tu sautes avec ce tobi ici, t'as quand même une forme qui est très très solide. C'est euh, impossible de couper pour blanc parce que euh, s'il vient là, tu fais il va là et tu connectes. Donc tu es 100% connecté toujours. Ensuite, on dit que tu peux faire cette forme, qui est la forme de la table. Euh, et euh, on voit presque un œil en L10 en fait. C'est une forme rapide. Toutes tes pierres sont connectées, et tu te développes rapidement. Il y a bien sûr des, euh, des variantes avec la table améliorée, tout ça. Et du coup, le dernier coup, ça serait ça. En fait, ça c'est une forme euh, très puissante. Tu as déjà un œil 100%. Et tu te développes assez rapidement. C'est la même forme que. Euh... Mince. Paf. Euh, C'est la même forme. Je vais faire l'outil modification. Tac. Tac. Que s'il si y avait un guetta. La deuxième technique capture de base avec le shisho. Ça n'a pas la même forme. Donc ici, quand on est là, ici noir, s'il doit jouer, par exemple, on voit que plus tard, bien sûr, là c'est peut-être un peu lent justement, euh, il peut jouer ce coup et il aura déjà un oeil si jamais il est en danger. Donc il a une bonne forme. Justement blanc, pour parer cette bonne forme, il peut jouer là, ce qu'on ce qu verra souvent dans les parties, hein, quand on voit cette forme à la fin d'une séquence, blanc il peut venir titiller, dire comment tu vas répondre, et bien sûr, bon, connecter direct, c'est un peu moche, donc soit tu étends d'un côté ou de l'autre si jamais il y a la place, là il y a une pierre qui gêne un peu, soit des fois il y a des coups au contact comme ça qui empêchent la coupe, potentiellement, après là encore une fois, celle-ci fait chier, elle est bien placée du coup, donc justement ça renforce l'idée de faiblesse de cette position. Mais voilà, c'est des petits facteurs qui, euh, qui font que cette forme, et ça sera connecté, mais justement... Là, la forme, contrairement à si cette pierre-là était placée là, ça serait assez solide. Ça serait déjà tout connecté avec un œil. Là, c'est tout connecté, mais ton W ici, je ne sais pas si ça a un nom ou pas, mais euh, a deux angles vides, en fait. Et l'angle vide, on dit que c'est la pire forme au jeu de go. Donc, euh, c'est vraiment une mauvaise forme. C'est noir et très lourd. Il euh, y a deux pierres qui empêchent déjà de faire euh, quelque chose avec ce mur. Et une blanc al-sente. Donc, imaginons, il saute là. Il est très léger blanc et noir il fait rien de spécial avec ses pierres salut euh, salut Troll, salut troll. n'hésitez pas à me dire hein, il y en a qui euh, si je dis des bêtises ou pas euh, et ensuite dans cette partie donc blanc étant pourquoi pas encore une fois autant étendre ici je pense alors blanc étant et noir approche. Donc c'est tout à fait faisable. Bien sûr, si tu veux jouer plus safe, tu peux te dire je vais approcher de ce côté. C'est en direction de la pierre en Q3. Même si hein, c 6 c'est tout à fait possible, on l'entend. Hein. C'est seulement euh, à la, euh, au début quand tu, quand tu joues, tu peux juste regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le potentiel est de 7 ici. Alors qu'en bas, je ne vais peut-être pas tous les faire, mais euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il y a plus de potentiel en bas euh, qu'à l'ouest. Et en plus, c'est en direction de ta pierre. Alors que quand tu vas en C6, c'est en direction de la pierre blanche. Donc c'est déjà en quelque sorte chez l'adversaire. Donc ça va être plus difficile de se développer naturellement de ce côté. En plus encore euh, si blanc répond naturellement de ce côté imaginons une séquence euh, comme ça disons voilà. imaginons quelque chose comme ça blanc il met ses œufs dans, dans tous ses œufs dans le même panier il se développe sur l'ouest et encore il lui reste euh, des coups de réduction par exemple le coup à l'épaule en D11 et Noir même si c'est plus moins solide plus lent il menace pour l'instant euh, de s'installer sur tout le reste du Goban c'est sa position. Donc pour Blanc, il euh, y a une erreur de direction, on a l'impression quand même. Donc là, Blanc, il serait obligé de venir euh, pincer euh, ou de venir par ici. Parce que c'est un peu lent de, de jouer tout à l'ouest. Donc pour toi c'est plus intéressant, je pense. C'est là où il y a le plus de potentiel. Après, comme ça pire en C12 et euh, un peu loin, c'est tout à fait possible. Mais est-ce qu'il y a besoin sachant que euh, bah, t'es pas en retard ni rien quoi. Et il te kick, ok. Tu vois, si on joue la séquence classique, quand tu prends ton extension naturelle, il y a déjà une pierre en C12. C'est un peu embêtant, parce que euh, rien que s'il vient ici, par exemple, quand tu empêches de passer par là, il peut sortir. Euh, il peut également menacer ça. Si tu montes, il peut connecter au-dessous. Donc la présence euh, des pierres euh, ici et ici sont assez embêtantes, en fait. Donc, peut-être que là, effectivement, euh, t'as pas envie de prendre ton extension naturelle, t'as peut-être envie de prendre plus petit comme en haut pour éviter ce genre de problème. Et encore, euh, on se demande ce qui se passe avec ça. Donc, ouais, la direction est peut-être pas la plus appropriée. Mais il descend, ok. Il joue très euh, territorial. Ok, donc là en haut je comprends à peu près l'idée d'aller chercher l'aide de ta pierre. Par contre ici de ce côté, tu vas vers ta pierre, t'as pas de base de vie encore, tu pourras pas t'étendre plus, euh, plus au nord sur ce bord. Euh, donc t'es déjà assez à l'étroit. Est-ce que c'est si important Tu vas pas te faire de points ici en fait. Il suffit qu'il fasse ça, t'as pas de points. Donc euh, il vaut mieux aller chercher la direction de tes pierres. Peut-être que ça, ça pourrait être intéressant plus tard avec un coup comme ça. Mais maintenant, pourquoi pas Ça menace si blanc vient par là. Tu pourras dire oui, mais moi je joue en quatrième ligne, donc je m'en fiche un peu de la deuxième ligne ici. Et tu continues comme ça. Et là, on voit que tes pierres commencent à travailler assez bien ensemble. Mais dans l'idée, donc ça, soit ça, effectivement, soit euh, tu peux décider d'écraser pour justement cette fois-ci jouer plus euh, dans la direction de ces pierres et dire euh, bah oui, mais toi tu vas t'écraser un peu comme là, et moi je vais jouer du potentiel un peu plus intéressant. Donc depuis le début, en gros, ouais, euh, essayer de jouer euh, plus en cohérence avec euh, le reste de tes pierres sur le Goban. Une affaire de direction, quoi. Bon, il fait un coup qui est assez lent, qui menace pas de couper tes pierres, j'ai l'impression, quand même. Et toi, tu envahis. Ok. Donc cette invasion, euh, il faut faire attention parce que ce groupe-là n'est pas encore tout à fait stable. Surtout qu'il a rajouté une pierre. Euh, et il reste énormément de place sur le Goban. Donc, ici, si. Comment dire Rien qu'en termes de potentiel, par exemple. Parce que là, je sais que c'est un coup d'attaque, mais en termes de potentiel, on pourrait redire ici il y a une, deux, trois intersections. Ici, il y en a toujours 11. Et ici, il y en a 11 également. Donc euh, le, bord, euh, le bord, est et le bord sud sont beaucoup plus intéressants que cet emplacement-là. Sauf si euh, tu as tout lu dans la séquence, et que effectivement ça attaque lourdement ces formations. Donc là on va voir comment ça se passe. Mais par exemple, on, comme pour lui son attaque tout à l'heure, quand je disais euh, si tu jouais le c10, euh, t'aurais bien aimé ici, euh, par exemple, que ta pierre de c9 soit en c10. En fait ça serait d'une euh, bonne aide. Pourquoi Parce que, euh, imaginons il saute, tu peux menacer de, de connecter par dessous. Donc ça a l'air pas mal ça. Mais là avec ta pierre qui est un peu plus loin. Ah bah il a sauté d'ailleurs justement. Euh, si tu viens ici, ça menace pas de connecter par dessous. Il peut faire Atari et reprendre la pierre. Alors que dans l'autre séquence, quand tu joues là, s'il bloque de ce côté, tu peux venir là, il capture et tu peux couper. Si ça se joue dans l'autre sens, tu viens là, il capture et tu peux couper. Donc là, ça, ça, Toby est directement déchiré, c'est très embêtant pour lui, même s'il peut couper par là. Bon, t'es assez solide, t'es assez safe et tu prends une influence assez importante. Tout en connectant à peu près toutes tes pierres. Tu voulais jouer agressif et menacer l'eau. Ok. Après, c'est assez compliqué parce que tu attaques avec, euh, tu attaques avec euh, ces deux groupes. Du coup, celui-ci, celui-ci et celui-là celui est pas encore tout à fait stable. Donc souvent, sauf si tu as tout lu bien sûr, euh, on dit qu'il vaut mieux éviter. Tiens, je vais déconnecter ça. Hop. Il vaut mieux éviter d'attaquer avec des positions instables parce que si jamais euh, il s'en sort très bien et toi, euh, non. Bah tu auras ce groupe là à gérer plus euh, celui-ci potentiellement s'il a rajouté des pierres. Du coup ça peut vite euh, se retourner contre toi. Encore une fois, on va regarder comment ça s'est passé, parce que là il saute. Et toi, t'as fait quoi euh, T'as sauté. Je pense que c'est le plus naturel. Hmm. T'attaques la base de vie. Et lui... Se... D'accord, ça c'est très bien ce qu'il a répondu par contre. Euh, lui il joue des coups assez simples ici et ces deux coups là ils sont très bien je pense pour le Blanc. Mais pour le coup, toi euh... si tu sautes ici, ça n'empêche pas la, la possibilité d'attaquer plus tard ces trois pierres parce que là maintenant il doit s'occuper à la fois de ça mais aussi de ces deux pierres. Bon, l'urgence c'est ces trois pierres là parce qu'elles n'ont plus qu'une seule direction le coin, essayer de vivre. Alors que ces deux pierres-là, on pourrait dire qu'elles ont encore deux directions à peu près. Aller encore vers le centre, ou aller un peu vers le sud pour attaquer, mettre de la pression sur ces pierres-là. Donc la là, préau pour blanc, c'est d'aider celle-ci. Mais le temps qu'il va... Par exemple, s'il prend le plus d'espace, tu descends, tac, on joue comme ça, tac. Bah, il lui reste encore une faiblesse de coupe, une menace de coupe, et toi tu peux... Euh... D'une manière ou d'une autre, mettre de la pression sur ces deux pierres, tu as gagné la puissance. Imaginons comme ça. Et là, dès, dès le début, il se retrouve avec euh, trois pierres qui ne font pas de points et qui, euh, comme là, tu as le Sente, ne mettent pas forcément plus que ça de pression sur tes groupes. Donc sortir, ça peut être intéressant. Parce que là, en essayant de retirer la base de vie, le problème, c'est que tu laisses connecter ces deux formations. Et finalement c'est toi qui te retrouves coupé et qui va devoir vivre à l'intérieur de son groupe. Donc tu prends le Sansan, san la base de vie. Il veut couper. Il fait atari, Ok. Et tu défends. Euh, ici, il peut prendre cette pierre. Assez tranquillement. Bien sûr, tu la tu répondrais pas. Ici, tu t'abandonnes ta pierre. Et la question c'est est-ce que tu vis dans le coin est-ce que c'est t'as assez d'espace Si tu joues ici, ça menace pas de connecter de l'autre côté parce que t'as pas de pied en F18 par exemple. Et il peut taper directement à l'intérieur. Ça semble à peu près mort. Si tu joues là. Euh... S'il vient ici, ça semble vivant. Tac, tac. Il peut pas empêcher ça. Il peut pas empêcher ça, t'as deux yeux. Ok. Et qu'est-ce qui se passe s'il fait ça Ça a l'air vivant aussi, parce que s'il monte, tu captures. OK. Tac, et là tu peux aller. Là. Ok, ça a l'air vivant. Faut juste jouer ce coup. N'hésitez pas à me dire si vous voyez quelque chose d'autre qui pourrait tuer. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose parce que si Blanc joue là directement pour dire ouais mais il n'y a pas d'œil ici, Noir peut venir là et dire ouais mais il y en aura un deuxième là tout simplement. Ça a l'air ok. Il y a juste dans cette séquence où est Blanc pouvait prendre un peu plus et ça revenait au même. Par contre là tu protèges ici. Ouais si ça a l'air toujours ok. Qu'est-ce qui se passe si Blanc vient jusque-là maintenant Tu peux pas couper cette pierre. Euh, si tu viens là, il va là. Si tu vas là, il coupe. Si tu vas ici, il recule. Mais maintenant, est-ce que tu as la place pour vivre Ça a l'air d'aller. Tac, tac. Tu peux venir là, ça fait Atari. Je pense que tu reviens ici. Parce que si tu tenukis, il y a le risque que plus tard il lance un ko. Qui est assez dangereux pour lui, mais en soi, pas tant que ça. Et ça menace de tuer tout ton groupe. Donc là, attention. Attention à ça. Donc peut-être au cas où, rajouter un coup ici. Ça peut être intéressant. Bon, dans la partie, t'as répondu. Il fait encore ce coup-là. Ouais, ok. Il joue euh, solide pour affaiblir tes pierres. Et toi, tu t'éloquies. Ok. Donc tu reprends un peu d'espace pour ces pierres-là euh, en te dirigeant vers ta pierre. Je pense qu'ici, pour euh, être sûr de bien renforcer ces pierres-là, tu peux jouer ton extension naturelle tout simplement. Ouais, il y aura le replay, je pense. Je sais pas. Ça dépend si, euh, si Nirimko est ok pour ça. Ça dépend. Je préfère demander au cas où. Comme il y a le pseudo, tout ça. Hop. Et en plus, c'est un petit peu décousu euh, parce que j'ai pas regardé la partie avant. Donc, euh, ouais, si, si jamais c'est sur YouTube, euh, n'hésitez pas à me dire euh, YouTube si vous voulez que j'essaie de redécouper un peu ça, si ça vous plaît, si c'est pas trop long, etc. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, <laughs> j'en profite, et à mettre un pouce bleu. Euh, Blanche joue les mêmes coups euh, à chaque fois. Ouais, ouais, Blanche joue les mêmes coups, il a sa technique, et voilà. Euh, c'est un peu lent, hein. B6. B6, bah la F18, et B6 tout à l'heure aussi, on préfère avoir un coup vers F4 notamment. Comme tout à l'heure, on préfère avoir le Tobi qu'il a eu finalement ou d'un dans... bon. moment... Ah bah tiens, le Discord. Euh, du coup, ouais, tu réponds ça. Je pense que là, une extension naturelle, c'est un peu plus euh, safe, parce qu'un jour ou l'autre, selon comment ça se passe, il pourra venir là et euh, menacer de couper tes formations. Encore une fois, t'as ce jackpot, mais euh, on n'est jamais trop content de le faire non plus, parce que c'est un coup sur la deuxième ligne, donc tu te connectes tout, euh, tout petit, et ça donne de la force sur l'extérieur à l'adversaire. Donc il faut, il faut être prêt à ce que euh, l'adversaire puisse euh, embêter, ou il peut même essayer de couper en étant un peu, un peu moins subtil avec des trucs comme ça. Ah bah d'ailleurs... <laughs> D'accord, il est venu direct. <laughs> C'était le coup de la partie, ok. Et toi, tu sautes comme ça, alors ok, pourquoi pas? Attention, tu, tu dis je t'attaque, mais dès qu'il monte ou qu'il saute comme ça, tu ne peux plus connecter par dessous. Donc attention à ça, il faut être prêt euh, maintenant quand il va là. Tac, si ça coupe, capture, il n'y a plus de coupe possible. S'il vient là, il connecte et euh, tu as perdu cette pierre, il est connecté sur l'extérieur et toi maintenant tu devras surveiller ça. Donc attention. Avec cette attaque, c'est euh, tu dis à Blanc, euh, tu vas courir, mais en même temps, Blanc il va dire ok mais nous on court ensemble, même s'il est un peu plus flag pour, euh, pour le moment, il a pas mal de place, il a de la force ici, donc ce groupe là il devra au bout d'un moment trouver sa base de vie également. Blanc monte et tu sautes. Ok. Là avec ce saut c'est pas mal parce qu'effectivement, tu menaces de faire ça, et euh, Blanc il a pas envie de sortir en, en angle vide par exemple. Donc ouais, ça c'est un, un bon tobi, et blanc monte, ok. Souvent blanc peut euh, tout simplement monter comme ça, parce que ça menace de couper ici, et noir connecte en fait. Très souvent ça se passe comme ça. Et là blanc il s'appuierait sûrement sur ta pierre, pour s'en aller ensuite. Imaginons avec des formes un peu légères pour blanc comme ça. Ce qui est un peu embêtant pour blanc, c'est qu'il commence à donner pas mal de points dans le coin. Mais après, Noir, encore une fois, devra surveiller ce groupe. Mais là, c'est un peu la débandade parce que blanc aussi devra surveiller ça. Et noir devra surveiller ça. Là, il y a pas mal de petits groupes qui se forment et qui sont pas faibles, mais euh, qui commencent tous à être un peu instables en fait. Donc il faut faire attention. Euh, dans la partie, du coup, il saute. Et toi, tu fais année. Ok. Donc tu l'écrases. Je pense pas que ce soit une mauva un mauvais choix. Et tu protèges ta coupe. Okay. Ici je pense que si tu veux protéger ta coupe, tu peux connecter solide. Parce que en faisant ça, ça lui laisse la possibilité plus tard de euh, venir titiller par là. Et quand tu protèges ta coupe, en fait euh, on se demande un peu pourquoi cette pierre est là. Et en plus ça fait encore une fois un angle vide. Et lui, il a gagné une pierre qui pourra peut-être plus tard, par exemple. Imaginons, euh, euh, plus tard dans la partie, il s'était passé euh, ce, ces, ces séquences où euh, il te fait courir. Et imaginons, après, il peut jouer ça parce que tu as joué euh, ben ici. Hop. On va supprimer ça. Et ici, maintenant, il peut jouer un jour ou l'autre ça pour se rajouter une pierre de ce côté pour continuer l'attaque sur son groupe. Ah, il aura gagné sa gratos quoi. C'est vraiment euh, c'est un privilège pour pour lui. Donc ici, autant connecter en solide. Ça change pas grand-chose pour toi. Je me demande même si tu peux pas continuer une fois parce que s'il coupe tout de suite, je suis pas sûr que ce soit incroyable. Tu connectes. Et ben non, il doit s'occuper à la fois de N14 et de la coupe, je sais pas. Ah, c'est pas. Pardon, pardon. Mais je pense que la connexion, c'est euh, le meilleur coup localement. Parce que sa forme n'est euh, pas du tout vivante. Toi, tu te renforces considérablement avec ce Magari, c'est euh, l'angle plein. Et lui, bah, il va courir tout en te donnant des points dans le coin, de la force sur l'extérieur. Tu pourras mettre de la pression sur ce groupe tout en aidant ton groupe à toi, si tu gères bien le CNT. Donc ouais, c'est plutôt cool. ici, il tourne et tu tournes, ok. Et là, tu essaies de prendre pas mal. J'ai eu la mauvaise habitude de me protéger en gueule de tigre. Mais bon, en fait, la gueule de tigre, c'est assez intéressant quand tu as besoin de faire des, de trouver des yeux rapidement. Notamment dans les séquences. Euh, euh, dans les séquences de coin ou de bord où euh, tu as un groupe assez restreint. Et au lieu de connecter, euh, quand tu connectes là, quand on te fait le, le coup de c sur la première ligne, que tu fais Atari, le défend et que tu protèges. En général, ouais, tu fais pas le nobi, tu fais un, un kosumi, comme ça, euh, dans les coins bien sûr, mais euh, tu vois directement les deux yeux en fait. C'est assez rassurant. Mais quand tu n'es pas menacé directement, notamment là où on connecte euh, solide, bah, tu rayonnes sur l'extérieur, tu as énormément de place, tu n'es pas en danger. Ta formation ne peut pas être coupée, ni rien, donc tu es tranquille. Mais je comprends que tu es le réflexe, oui. Euh, attention ici. Donc là tu, tu continues, c'est logique. mais quand il continue une fois, et toi tu essaies de prendre le plus de points dans le coin possible. Attention, c'est un coup en cinquième ligne que tu rajoutes. Euh, ça, ça protège pas forcément en fait quand il va venir par ici, ça menace de connecter euh, par au-dessous. Ça menace d'aller dans le 3-3. Ça menace de sortir. Donc euh, il peut tout à fait venir en P17. Hein. Donc euh, ce coup là il est un peu trop gourmand. Si tu veux rajouter un coup par ici c'est plutôt ça. Plus solide. Le coin est à peu près à toi maintenant. Par contre, en rajoutant ce coup, tu laisses blanc venir ici. Ce qu'il a fait dans la partie, ok. Euh, Peut-être passer une fois de plus pour éviter euh, le hané sur les deux pierres. Ouais, c'est ça. Il faut pousser une fois de plus ici. C'est ça, c'est ça. Parce que là, blanc, quand il fait ça, si tu défends, euh, il peut même probablement couper comme un sauvage, ou tout simplement faire le double année. Parce que toi, tu, tu peux pas faire ça. Il y a double taille. Donc tu recules et il pousse et finalement, euh, c'est toi qui te retrouves enfermé. Attends, C'est toi qui te retrouves enfermé dans la forme en fait. C'est tu menais sur, sur le combat vers le centre et maintenant, c'est lui qui est en train d'enfermer toute ta position. Et même si tu vas vivre, c'est très désagréable d'être enfermé. Là, il, il regagne de la force sur l'extérieur, ça aide indirectement ce groupe, et ça attaque indirectement ce groupe-là. Donc il faut faire attention à ça. Là, ici, il faut que noir rajoute un coup. On voit directement ici, quand tu rajoutes ça, c'est toi qui en avance un coup, il ne peut pas reprendre cette avance. Et c'est toi qui mets la pression sur son groupe, même s'il va se diriger vers le bord droit, hein, mais ces, quatre, ces trois pierres là, quand elles vont sortir, elles vont rencontrer un allié euh, de taille. Et ces pierres-là ne sont pas aidées par un groupe qui pourrait euh, jouer dans cette direction. Donc rien qu'un hobby ici, ça c'est douloureux. Très souvent on dit que quand tu as deux pierres ici, face à deux pierres de l'adversaire, le premier qui joue au-dessus, là ou là en l'occurrence pour noir, est avantagé le année à la tête de deux pierres qu'on préfère éviter notamment par exemple si tu as une séquence comme ça tac tac noir si joue ici blanc se défend noir fait un double année et là blanc bah il peut pas jouer par là hein, parce que atari et noir peut redescendre par exemple et menacer de capturer ces deux pierres donc attention à attention à ces séquences là c'est vraiment pas très solide et si blanc va là bah, en fait encore une fois blanc il fuit il lui reste cette fameuse menace dont on parlait tout à l'heure ici enfin faiblesse pas menace et euh, noir prend une force assez forte sur l'extérieur donc c'est une forme qu'on préfère éviter l'écrasement en L11 ici euh, et en gagnant la force au centre il pourrait vite embêter le groupe de blanc à gauche maintenant que noir vit dans le coin ouais c'est ça exactement comme noir est vivant on a vu. Euh, noir serait vivant avec ça parce qu'il serait en avance largement. Et maintenant il pourrait bah, bleu, on pourrait attaquer l'adversaire. Donc la séquence elle était par où Voilà, ici. Imaginons blanc fuit comme ça ou essaie d'aller par là, une séquence du genre. Euh, noir n'a plus de, de, de coup urgent, on va dire. Et là il pourrait attaquer comme ça. Ce coup là, il se dirige oui, vers ces pierres là. On est sur la même ligne maintenant. Donc, normalement, on va se connecter. Il prive la sortie à ce groupe blanc, qui veut sortir dans cette direction, hein, sûrement, si c'est la seule direction qu'il a. Et maintenant, Blanc va devoir batailler pour faire deux yeux dans cette formation un peu compliquée. D'ailleurs, Noir peut même, euh, s'il le veut, attaquer comme ça d'abord, menacer de séparer les deux formations, et ensuite venir là. Là, c'est vraiment... C'est assez tricky pour Blanc. Et en même temps, du coup, on a une autre groupe. C'est assez agréable. Parle plus vite que j'écris sur le téléphone. Désolé, ouais, je suis en bavard. <laughs> Désolé, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou, ou pas assez, au contraire, voilà, selon les, les sensibilités, parce qu'il y a tout niveau, j'imagine, dans le chat. Il y a de tout niveau, je sais même pas combien on est, mais. On est 24, bonsoir à tous. Et d'ailleurs, j'ai vu au début, il y avait eu un follow, bah, Esteban, merci à toi. Et. Puxer, 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 je sais pas comment dire. Merci à vous deux. Non, c'est moi qui suis lent, t'inquiète. <laughs> t'inquiète, t'es au boulot, en plus, utilisez. Hop. Alors, dans la partie. C'est vrai que j'avais dit une demi-heure, ça fait déjà une demi-heure qu'on y est. Mais bon, il y a des choses à dire, donc euh, autant que ce soit bien fait. Euh, dans la partie blanc, et pu écraser. Et reprendre la force, ok. Donc, je fais la direct et fait fais la tarie ici. Je suis pas certain, oui. Effectivement, ici, quand j'ai dit la tari là, ouais, j'ai vu euh, vite dit euh, non, non, il vaut mieux faire ça. Parce que finalement, euh, là, si ça se passe comme ça, ou euh, comme dans la partie comme ça, la différence, c'est qu'on a donné une pierre. Donc c'est pas très agréable, je trouve. J'ai l'impression qu'on aide pas mal. Alors que si on joue comme ça, euh, on pousse, au lieu de faire la terre, on pousse ici, on continue. Euh, ça menace. Si Noir ne répond pas ici, euh, imaginons il va là, de jouer ça. Et là Noir il, il peut pas se protéger comme ça, ce qui semble assez naturel hein, sa gueule de tigre. Parce qu'il a double taille. Et là tout ce qu'il a, de, tout le travail de Noir ici est réduit à néant, parce que si on protège là, on se fait capturer il y a aucun œil Et il faut maintenant vraiment s'inquiéter pour ce groupe. Et euh, si Noir répond là, à peu près la même chose. En fait, ouais, c'est quelques séquences ici, là, qui prend l'avantage, qui prend l'avance, c'est extrêmement important. Tu le retrouveras dans certains bouquins, il y a notamment le bouquin de Motoki où euh, il y a un chapitre, c'est La marche des pierres. Et bah, effectivement, celui qui est en avance, en fait, euh, prend le contrôle de la partie assez rapidement. Il suffit qu'il y ait 3-4 fois des séquences comme ça pour faire une grande différence dans la partie. Alors, on pourra regarder sur YouTube en réglant les vitesses. C'est ça, 0,5, 0,25. <laughs> Euh, donc, tac tac tac, ça on a déjà vu, et blanc connaître comme ça. Encore une fois, ici je sais pas si blanc a besoin de connecter comme ça. Là, ça, c'est un peu plus légitime, on pourra dire, parce qu'il se dit mince, j'ai deux points de coupe. Donc, euh, c'est vrai que la gueule de tigre pour protéger les deux points de coupe, c'est assez utile, c'est vrai. Après, encore une fois, noir aura ces petits points là, il faut être prêt à ça, notamment celui là qui pourra peut-être l'aider à développer euh, ce bord euh, droit. À voir. Est-ce euh, que blanc pouvait pas, si blanc connecté ici, noir peut peut-être couper. Est-ce qu'il a chichot Non. Ok, blanc pouvait connecter comme ça parce que euh, blanc le chicho. Je vous le montre vite fait. Il est pas trop trop long, mais on ne va pas toucher. On ne va pas toucher cette pierre. Donc, euh, blanc le chichot. Donc, blanc pouvait se montrer un petit peu plus solide. Et au lieu d'avoir euh, les deux points de menace de coupe, on pouvait en avoir qu'un seul en faisant ça. Et là, il n'y avait que celui-là. Comme ça, de l'autre côté, t'es tranquille. Donc, là, il pouvait s'autoriser ça. Et noir saute comme ça. Ok. Euh, pourquoi pas J'allais dire, bon, là tu joues sur la 1, 2, 3, 4, 5, 6ème ligne, c'est un peu ambitieux, parce que blanc, il peut glisser au-dessous. Déjà, quand t'es en quatrième ligne, on dit que l'adversaire peut glisser au-dessous, donc en 6 bon, il peut tranquillement s'installer. Après je comprends l'idée, parce que. Euh, bon, je dis n'importe quoi là. Euh, si noir joue ici, justement ça menace là. Après tu joues par là, tu menaces une grosse zone, tu commences à avoir pas mal de pierres, donc même si blanc rentre, euh, est-ce qu'il va pouvoir vivre si facilement ça reste à voir. C'est pas si évident, c'est direct. S'il vient par là, c'est déjà du 1 contre 4. Contre 5, comme c'est noir qui joue en premier. Donc ouais, pourquoi pas. Blanc s'installe. Et toi, tu dis, je veux cet espace-là. Attention, il y a encore cet endroit ici où on peut envahir. Effectivement, maintenant, le P15 existe un petit peu moins, parce que tu as couvert un peu l'extérieur. Mais il y a toujours euh, la, la possibilité de connexion en IN18. Et le R17 qui sont possibles. Il y a toujours une petite coupe ici également, donc il faudra faire attention. Si, imaginons, tu dis euh, euh, que tu veux pas, bon, je veux dire n'importe quoi, hein, mais voilà, non, tu connectes pas par là et qu'il y a une séquence qui se passe par ici, on ne sait pas trop comment ça se passe. Il faudra surveiller cette coupe-là, à pas perdre ces deux pierres. Même si ça semble compliqué, il faut faire attention. On ne sait jamais comment ça, va développer, euh, comment ça va se développer dans la zone ensuite. Et il te coupe. Ok. Donc là il fait contact. Il coupe. Tu fais atari. Il fais contre atari. Ok. Ok ok. Ici je pense que tu peux capturer la pierre. Comme ça t'es tranquille. Parce que sinon plus tard. Peut-être. Même si ça m'étonnerait. Hein, Peut-être qu'il aura des coups par ici. Pour essayer de faire des trucs dans le coin. Là c'est un peu plus poussé. Mais euh... Si jamais euh, il utilise cette pierre en Aji et que justement il y a eu une séquence avec le P17, ce genre de coup qui menace de se connecter au-dessous là pourrait faire chier avec les trois possibilités. Mais bon, ça c'est euh, peut-être un peu plus compliqué. Je regarde s'il y a d'autres choses à dire sur ça, mais euh, j'ai l'impression que Blanc utilise pas mal son... sa pierre pour euh, développer au maximum l'extérieur, c'est pas mal. Après là il faut faire attention parce qu'il a quand même des points de coupe. Je sais pas ce qu'il rajoute ensuite. Non, ça c'est moi. Il protège. Ok, c'est bien. C'est bien de protéger. Et toi tu prends le coin. Coin bord centre. C'est tout à fait normal. Euh, je vous souhaite une bonne soirée. Et encore merci beaucoup à toi, Boristoi. Euh, TVO, c'est super un vrai plaisir pour occuper le temps de RER. <laughs> pas de rien. Qui devient agréable. Et jamais trop long grâce à toi. Ah, merci pour le message. Et pas de soucis. Plus <laughs> Merci Edgy, c'est moi. Bonne soirée à toi, euh, Salut control sal euh, Donc là, tu, toi tu prends le coin. Et lui il vient directement ici, ok peut-être un peu gourmand parce que le problème c'est qu'il va se retirer la J de P17, parce que rien qu'en jouant ça, euh, je vois pas trop ce qu'il va faire avec ses pierres. Et là maintenant ça semble quand même beaucoup plus compliqué de faire quelque chose par ici parce qu'il peut plus faire cette euh, gueule de tigre. Ouais, il meurt de partout en fait s'il fait des trucs comme ça quoi. Donc là c'est un petit peu abusif sur coup, il perd toutes les possibilités je pense. T'as répondu quoi T'es descendu comme ça Ok. Si tu as peur qu'il connecte sa pierre, au lieu de venir en, en Q14, capture la pierre directement. Tu règles le souci, tu n'as plus de dette à régler avec cette pierre, elle est plus loin. Voilà, maintenant on peut s'occuper juste de cette pierre. Hop. Donc tu vas là, le problème c'est qu'elle existe toujours, donc un jour ou l'autre il pourra jouer en R13. Là, imaginons. Euh, euh, je sais pas, tac, tac, tac. Je sais qu'il a des bêtises, hein, mais imaginons il peut aller là et tu décides de faire ça. Bah, il peut menacer de grandir son espace visital au maximum en utilisant les faiblesses de, de noir. Et t'as pas envie que ça se passe en fait. Donc euh, à éviter. Euh, capture direct la pierre. Là, si on refait la même séquence, mais que t'as capture la pierre. Bah là il peut plus aller il bah, n'y ça, 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 a plus d'utilité. S'il va là, en fait tu viens juste ici. Il n'a plus du tout son espace. Euh, du coup, il pourra faire ça. Mais on voit qu'à la place d'un espace de 6, il a un espace de 4. Et ça, ça s'appelle euh, le 4 idiot. Parce que. Euh, pourquoi idiot Parce que s'il rajoute lui-même en premier un coup, c'est la forme en 3 qui se tue. Et du coup, bon, je vous apporte rien, peu importe quel endroit il fait, ça sera la forme en 3 et tu tues. Donc c'est le 4 idiot. C'est mort de, de base, d'office. Donc ça sert à rien pour blanc. Donc ouais, capture la pierre et voilà, c'est très bien. Tac, donc il essaie de prendre au maximum. Tu bloques. Il coupe encore. Ok, là il... Pas mal de petites erreurs. Tu le pousses. Il descend. Tu descends. C'est très bien. Tu l'empêches de sortir. Atari, ça c'est très bien. Au lieu d'aller prendre les pierres directement, tu prends d'abord ton CNT. C'est bien. C'est bien ça. Et tu captures les pierres. Il fait Atari, tu captures, voilà, très bien. En soi, il fait pas des points et toi, tu prends ce que tu avais déjà. Ici, dans le coin, tu as, as quand même pas mal de points. Et il attaque ton groupe. A savoir que tu as déjà un œil ici. Donc, il faut en faire un autre. Euh, ce qui est important à lire, c'est qu'est-ce qui se passe si tu joues là Est-ce que euh, sa pierre peut s'en sortir, en fait C'est quand ça, c'est importante. Et toi, tu défends. Ok. On va vraiment regarder ce qui se passe si tu joues là. Est-ce que blanc peut sortir Tout d'abord on pourrait se dire Il va jouer dans la faiblesse du Kosumi euh, Si tu connectes Il s'en va Donc là oui c'est dramatique Tu ferais d'abord l'Atari Puis tu irais par ici Tu peux faire cet Atari là Et venir par là Dire oh, regarde t'as plus que de liberté Mais Atari Et tu prends donc ça marche pas pour lui. Au mieux en fait, ce que ça va lui donner, c'est cet atari. Ça atterrit sur l'île de pierre. Tu captures et il connecte par dessous. Donc en vrai c'est cool pour lui. Ça connecte tout et toi t es vivant. Par contre t'as le tu T'es largement mieux dans la partie parce que tu peux venir par là. Oh, T'es quand même bien. Hein. T'es quand même très bien dans cette partie. Alors menacer e15 avant. Touk. également menacer au 15 avant effectivement et revenir là oui ça peut ça peut donner ça ça peut pas faire de mal oui effectivement donc ça ça ne marche pas est ce que ça ça pourrait marcher tac imaginons ça j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose hein, parce que si on vient là bah, il capture direct et si on vient là euh... Il y a une petite séquence sympa pour noir. Là on a l'impression mince, il va me mettre en Atari partout, mais en fait tu peux faire ça. Il y a Atari sur ces deux pierres et sur celle-là aussi. S'il protège là, tu peux revenir ici. Il y a toujours Atari sur ces deux pierres. Hein. Donc euh, ça sert à rien qui coupe. Capture. Atari. Protège. Atari. Tout est capturé. Parce qu'il n'a plus qu'une seule liberté. Et en même temps, si à la place de défendre là, il capture directement. Il y a Atari également ici. Protège, Atari. Et encore une fois, il meurt. Donc euh, ouais, ça a l'air très compliqué pour lui de faire quelque chose par ici. Et en faisant ça, encore une fois, tu as cet Atari. Et on pourrait dire ouais, mais à la rigueur, il a ce contre Atari en vue de faire J18 après. Mais en fait, le temps qu'il le fasse, tu le captures. Il ouais, y a vraiment rien en fait. Donc tu peux te permettre. Cette fois-ci, effectivement, tout euh, à l'heure c'était un peu gourmand de faire les, les kémas et tout. Euh, là, tu peux te permettre de prendre plus. Au lieu de protéger en, en J15, tu peux dire non, non, mais ta pierre t'es venue beaucoup trop profondément. Et je peux te capturer en gros. Et comme ça, t'as as, as un gros œil et un autre plus petit. Je suis embêté pour rien. En haut. Ouais, effectivement. Euh, après, voilà, comme là, on, je prends le temps, je pose tous les coups et tout, il faut le lire tout ça. Donc c'est à l'expérience en fait. Mais petit à petit, quand tu auras tes parties, euh, des fois tu te diras, attends, la dernière fois j'ai protégé, j'étais un peu lent, euh, je vais peut-être prendre une minute pour voir si je peux pas reprendre en gros. Parce que là, la différence de, ah, quand tu joues ça, euh, là j'ai qu'un œil sûr, même si normalement ça devrait aller, hein, on, on s'entend bien, mais j'ai qu'un œil sûr, je vais peut-être courir un peu, ça va être compliqué, ça fait pas de points en plus, et euh, je peux pas attaquer son groupe, à, euh, une séquence où tu mets la pression comme dit euh, The Good d'abord et ensuite euh, tu viens prendre euh, la pierre bah, déjà ça continue à mettre de la pression sur ces pierres c'est pas c'est pas mal et en plus tu prends bah, une dizaine de points ici quand même donc c'est quand même cool c'est vraiment pas mal en soi là pour l'instant lui euh, ces pierres là elles font pas de points euh, toutes ces pierres là elles, vont... elles en font 5 pour le moment hein. et ça bon ça en fait quoi 10 pour l'instant, blanc, il a que dalle. Pas, enfin, il a le commis. Mais toi, rien qu'avec ça, t'as autant de points. Et t'as, as du potentiel ici, t'as du potentiel là. Le bord sud. À voir comment ça se déroule. Donc t'es vraiment bien dans la partie. Bon, de toute façon, comme le monde hein, bien sûr. Hop, tac. Donc il monte. Ok. C'est assez compréhensible. Hein. Il veut empêcher la possibilité d'oeil si tu joues en H14 pour faire un œil en G14. Toi, tu menaces de faire un de l'autre côté. Il menace de, de reprendre sa pierre, tu le captures et il attaque. Ok, donc là, oui, c'est une sorte de gros guetta. De grande prises en filet. Mais... Euh... Bon. Tu peux aller par ici pour dire j'ai un deuxième œil là. Ton capro, il est vivant. Il peut se faire couper ici, ici et là. Donc euh, jamais, euh, mince pas, jamais il te tue ici effectivement. Et euh, bon, à il t'es pas mort dans la partie. Après, attention, je sais pas ce qui s'est passé dans, je sais pas si on voit oui ici. Euh... Ici, t'as as, l'air, il y, y a dû avoir des séquences assez euh, assez louches. <laughs> On va voir ce qui s'est passé. Je crois que c'est en pourcentage de victoire, c'est pour ça. Donc euh, t'as dû mourir quelque part deux, pendant, pendant deux secondes et ressusciter plusieurs fois en fait. Donc tu joues ce coup là, ok. Vraiment, euh, souvent c'est... On trouve la vie dans les coins, puis sur les bords, puis dans le centre. Donc là si tu joues ce coup-là, ça a l'air de suffire pour faire un œil en, en G17 et on n'en parle plus. Et on n'en parle plus. Donc tu viens là. Il pousse. Tu viens ici pour attaquer, pourquoi pas Et tu forces un tueur, Ok. Attention, hein, parce que là, ça te donne pas des yeux. Euh, ça, ça sera jamais un œil. Parce que si tu viens là. Ah, si, ça peut. Tac, tac. Ok. Ah, c'est ce qui se passe dans la partie. Ok, ok, c'est ça... un Par contre, attention, parce que c'est ton coin que tu as, ici. Maintenant, si Blanc joue là, que tu défends, qui joue là, est-ce que tu es vivant dans le coin? En fait, noir, toi, tu essayes de prendre le plus d'espace possible, mais si blanc ensuite retire euh, ta possibilité de t'étendre, est-ce euh, que c'est vivant Noir prend le plus d'espace possible, blanc vient au milieu. Si noir veut capturer la pierre, blanc fait attard ici, tu n'as qu'un seul œil parce que B17 c'est un faux œil. Et euh, si tu prends cet espace là, du coup, blanc peut venir là. Et quand noir capturera les deux pierres, il n'y aura qu'un seul œil. Si tu viens ici, blanc peut venir là. Tac, formant 3. Donc en fait, en forçant comme ça ici, Certes, tu vas vivre, mais tu. Tu condamnes ton coin. Il faut rajouter un coup. Et si Blanc fait cette Atari, bon, tu reviens là. Si capture ici, tu protèges, tu as ton œil, t'es vivant, et t'as le ton coin. Attention à ça. Parce que là, ouais. Euh, je sais, t'es es focus sur ce groupe, mais là, attention, parce que t'aurais pu mourir dans le coin. Et du coup, c'est ça, ouais. On est dans cette séquence-là. Euh, le bot, il est. Euh, il est stressé tout le long parce que vous avez dû ignorer cette séquence j'imagine. Et euh, le bot est euh... bon ben bah, noir gagne parce qu'il peut y rejouer. Ah non bah il joue pas donc blanc gagne, ah non, et inversement. <laughs> Hop Ouais, blanc attaque, Noir coupe, blanc capture cette pierre. Atari, tu captures. Ouais, vous ignorez cette séquence. Et là tu vis. Et blanc ignore ça. Ok. Donc là, oui, à la place de vivre ici, parce que là tu fais ton Atari, mais si tu protèges ici et que tu dis je vis dans le coin, Blanc il ne peut pas venir en G16, il se met en auto Atari, tu captures, tac, et euh, voilà, en fait c'est une séquence infinie. Donc ici, t'inquiète, ton œil en F15 il existe déjà, donc t'es vivant, t'es vivant 100%. Donc t'as le droit d'aller en, en C18 maintenant, comme lui. Quand tu protèges, qui vient ici pour relier, je comprends, il est en mode, bah, il faut que je protège mon groupe un petit peu. Déjà, il a gagné pas mal de coups sur l'extérieur, donc il est plutôt safe. Et en plus, s'il vient ici, bah, il tue tout le coin. Et euh, il mène dans la partie maintenant. Euh, désolé, obligé de quitter, visite tardive. Pas de souci. Bonne soirée à toi, bonne nuit. Euh, je ne sais pas si tu as des questions sur ces séquences-là, euh, euh, Nirimko. Sinon on passe à la suite. Euh, je savais pas à gauche que c'était euh, aussi dangereux. Ouais, ouais mais c'est assez dur d'identifier. De, de, ça je conçois bien. Mais je préfère te montrer comme ça euh, petit à petit. Euh, tu reconnaîtras certaines formes, etc. Et tu seras peut-être plus prudent aussi, voilà. Bien sûr, ça sert à rien de retenir toutes les séquences, c'est l'idée qu'il faut retenir, c'est, encore une fois, c'était la même idée que tout à l'heure, quand tu es venu directement en C14 au début du parti, et que je te disais, ah, tu attaqué avec un truc instable. Bah ici, en fait, l'attaque qui se déroule à ce moment-là, là, t'es quelques coups ici, qui attaque, certes, euh, tu attaques avec à proximité un groupe instable. Donc il faut être prêt à en subir euh, les conséquences en quelque sorte. Après je le fais moi aussi hein, dans, dans les parties que je joue, euh, et même euh, les, les joueurs bien plus forts que moi, euh, des fois ils doivent être focus sur une situation, et ils attaquent alors qu'à côté il y a un truc euh, instable, et ils se prennent le contre-coup derrière. Quoi. Donc euh, c'est à tous les niveaux je pense. Donc voilà, ça se finit. Ok, tu rajoutes ce coup. Donc, ça se finit tranquillement. Et là, il protège ici. Maintenant que tu es vivant dans le coin, ce coup est très lent parce que euh, de toute manière, tu ne pouvais pas connecter tes pierres. Ça va pas faire de points, plus que ça, au maximum deux ou trois. Sachant qu'il y a tout cet espace-là libre, euh, c'est un peu. Ah, c'est même très lent en fait, comme coup. Là, il devrait plutôt se dire bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe Ok, il y a le sud qui est super intéressant. Euh, quoi d'autre donc euh, souvent on me disait, euh, quand j'avais commencé le Go, as plusieurs questions que tu peux te poser. 1. Euh, Est-ce que j'ai des groupes instables Est-ce que j'ai des groupes faibles Là, on regarde, bah, ça a l'air d'aller. Parce que ici, maintenant, tout a l'air connecté à peu près, plus ou moins connecté pour blanc. Et en soi, euh, ça fait un groupe et deux. Donc non, il n'y a pas de groupe instable pour blanc. 2. Euh, Est-ce que l'adversaire a des groupes instables Oui. Celui-ci n'est pas faible, mais pas tout à fait stable non plus. Ok, donc ça on peut déjà noter. Ok, qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai des gros, grosses zones à jouer Donc euh, bah, noir comme blanc, ici. Parce que la quatrième question c'est est-ce que noir a des zones intéressantes à jouer Donc là, blanc, bah oui, euh, dans cette zone, c'est intéressant. Et, et noir également. Euh, et 5, s'il n'y a rien de tout ça, dans une partie où c'est euh, par exemple une fin de qui euh, où il n'y a plus de, y a aucun groupe instable, ça a été super propre, et il n'y a aucun grand coup théoriquement à jouer, vraiment tu es un peu perdu, tu te dis où est-ce que l'adversaire aimerait jouer, bon bah peut-être que par là je peux fouiller, ça a l'air intéressant, par exemple, si vraiment tu sais pas quoi jouer. Donc voilà, c'est des questions que tu peux te... Des fois quand il y a une, pause, une fin de séquence dans une partie, tu peux te poser quelques questions comme ça, pour essayer de retrouver... Euh, à euh, ce qui est primordial à, à jouer. Donc, ici, on a vu qu'il y avait un groupe qui est pas faible mais à peu près instable et un espace intéressant pour blanc. Un coup par ici, par exemple, commence à jouer sur le bord sud et rajoute, n'empêche, une petite pression sur ces trois pierres. Si noir ne rajoute pas de coup et qu'il va par là, imaginons, plus tard, tu pourras mettre de la pression. Et là, en fait, le problème, c'est que Noir, il n'a pas de base de vie. Hein, c'est compliqué, il a, il a pas de place ici. Et euh, ici non plus, ça va être compliqué. En fait, là, ça menace même euh, de venir couper les, la formation. Si tu viens comme ça, c'est coupé. Si tu viens comme ça, c'est coupé. Donc, ce, ce coup-là, il est, il est très important pour Blanc. Donc, Noir, il doit se protéger. Mais. Il... Du coup, s'il saute, il se fait couper. Et c'est assez grand pour blanc. Donc qu'est-ce qu'il fait Il fait un coup comme ça. Le problème, c'est qu'il va se faire... Il va, il va courir, quoi. S'il recule comme ça, blanc bloque la sortie. Maintenant, il faut vivre ici. Et comme on a dit, c'est pas du tout évident. Euh... S'il recule comme ça, blanc peut aller là et menacer encore une fois de couper, et de prendre tout le bord. Mais si noir fait ça, on se sent encore enfermé. Donc voilà, à un ou deux coups près, ça peut partir en vrille. Donc ce coup-là pour blanc, enfin je dis ça comme si c'était toi qui devais jouer ça, mais oui ce coup-là pour blanc est assez important. Parce que noir, il va devoir aider sa formation. En fait, blanc, il peut continuer tout simplement. Et il commence à développer pas mal de points en quatrième ligne sur le bord sud. Et ce groupe-là n'est toujours pas sorti d'affaire. Tout ça grâce à, euh, aux quelques coups que blanc a pu rajouter ici, qui, même si ça peut se faire déchirer, rajoute euh, une sacrée pression en fait. On se dit, ouais, mais il y a quand même pas mal de pierres qui euh, ne favorisent pas le... Si on se dirige par ici, euh, ça favorise pas le combat forcément, puisqu'il y a pas mal de pierres dead pour blanc. Donc dans la partie blanc à jouer ça, du coup c'est beaucoup plus lent que ça, ce qui ici nous fait dire si c'est noir qui a affiché, ok, c'est cette zone qui est importante, j'ai un groupe instable, bon bah, soit sortir comme ça, comme ça, ça a l'air intéressant, soit, encore une fois, on peut mettre la pression, parce que le blanc n'a pas rajouté de coup vers euh, F4, qui est une séquence classique normalement, il avait joué... Euh, B5 ici. Et là, tu peux tout simplement faire courir. Et là, en soi, il fait des points sur la troisième ligne. Donc, deux par deux, c'est pas si immense que ça. Toi, t'es déjà vivant là. T'as pas mal de points ici. T'as ton chimari là. Toutes ces pierres là blanches ont quasiment pas de points. Tous les points qu'il a sont ici en soi. Donc, c'est plutôt tranquille de faire ça, j'ai l'impression. Ça a l'air ok. Là En soit blanc, il va faire 10 points de plus, mais euh, toi tu es sécur maintenant, il se passe plus rien, et euh, blanc va avoir du mal à rattraper cette partie. Donc, je trouve ça plutôt sympathique pour euh, pour noir, une séquence comme ça. Après, en plus simple, bien sûr, hein, tu, tu peux sauter comme ça ou un toby, hop, imaginons une séquence, ouais, je sais pas, comme ça, c'est peut-être plus simple quand même, mais voilà, tu sautes et, et tu t'en vas tranquillement. Ça marche aussi. Mais blanc approche de ce côté. Pourquoi pas Indirectement, ça ça empêche euh, noir ici d'aller beaucoup trop loin. Donc, on à voir comment ça se passe ensuite. Et je vais essayer peut-être de survoler un peu plus, parce qu'après, on avait dit qu'on ferait une Rengo. S'il y en a qui sont motivés pour Rengo, Big Furmius, désolé, euh, si t'es là, je t'avais dit Ouais, t'inquiète, ça va pas être trop tard, 21h30 max. <laughs> euh... Blanc vient ici, noir connect, blanc tape dedans. Ouais, ici pour blanc il vaut mieux il vaut mieux faire ça. Dire regarde t'as encore une petite faiblesse ici et moi je peux m'étendre. C'est peut-être plus intéressant. Et d'ailleurs, peut-être commencer par là, attaquer ses pierres. Et là maintenant, ouais, menacer vraiment de prendre tout le bord sud, ça a l'air plus intéressant pour Blanc. Blanc joue des coups un peu bizarres quand même. Hein. Non, ouais, ça, ça a l'air normal que tu aies gagné parce que ouais, tu joues quand même beaucoup plus propre que lui. Là, par contre, attention. Euh, bon, lui aussi est faible, mais attention ici, tu as un groupe avec ces deux pierres, un deuxième avec ça-là, un troisième avec ça-là, et là tu fais un quatrième. Euh, ça peut se couper tout ça. Si blanche joue par ici, que tu coupes, euh, il peut très bien, par exemple, euh, imaginons rien que ça, il file par là, et même si tu peux couper ici, en fait, tes trois pierres là se retrouvent euh, isolées. Donc attention à ça. Je pense qu'ici euh, la direction qui t'intéresse le plus, c'est par ici parce que le bord sud est plus intéressant que le bord euh, est. Tu peux faire plus de points ici que là. Et en plus là, tu te diriges vers le mur blanc. Donc c'est pas très intéressant. Donc autant défendre de ce côté. Et si blanc fait euh, le coup un peu identique P3 euh, de l'autre côté, donc ce coup-là. Ben... Je peux juste défendre et quand il monte tu, tu défends ta position et il va peut-être faire ça mais s'il continue à vouloir développer ce côté bah toi tu peux développer là et tu fais autant de points voire plus donc c'est pas un problème j'ai l'impression hop donc il vient là toi tu montes je pense que c'est à peu près normal il vient ici et là en fait plutôt un hobby tu restes solide et là toutes tes pierres ont l'air connectées parce que le seul point de coupe qui existe c'est ça mais bon c'est un suicide donc ça a l'air ok de jouer ce coup solide s'il veut t'empêcher d'aller par là tu peux aller ici sauf que bah, il fait pas tous les points qu'il euh, qu devait faire tout à l'heure comme on a vu dans l'autre séquence et toi tu peux encore pousser ici donc ça, le résultat va être assez dramatique pour blanc quoi qu'il arrive il descend là tu descends il vient de ce côté hop hop et tu vas te faire couper du coup tu joues ailleurs parce que de toute manière t'es coupé, ok. Tac, tu protèges. Ah oui, quand tu disais que t'étais à fond sur les gueules de tigre, là pour le coup euh, il a encore cette atari. Et du coup quand, quand tu défends, bah finalement ta pierre en, en S4, encore une fois on se demande mais pourquoi elle est là T'avais pas besoin. Donc euh, ici autant elle est là directement. Par tewari, euh, quand tewari c'est inverser l'ordre des coups. Imaginons, tu joues ça en premier. Si ton adversaire joue en T6, il y a assez peu de chances que tu joues en S4 ensuite. Ce qui est pourtant le résultat de l'autre séquence. Donc voilà, des fois, en inversant un ou deux coups, c'est pas forcément évident à faire. Mais en tout cas, quand tu revois ta partie, tu peux te dire ah ouais, mais en fait, c'est pas logique. Si ça se jouait dans ce sens-là, jamais j'aurais joué ça. Là ici, t'aurais clairement euh, défendu ici, plutôt. Donc ouais, ici autant défendre directement. Tac. Si je dis trop de choses, hein, ouais, il y aura le rediff sur YouTube du coup. Comme ça, tu pourras peut-être revisionner tranquillement. Hop, Atari. Tac. Et là, ça part un peu en cacahuète pour blanc, j'ai l'impression, hein, puisque cette formation là, là, il voit que s'il connecte, bah, c'est fini. Hein. Hop, Atari. Et on bloque tout, il meurt en gros. Donc il essaye de sauver. Euh, ce qui peut. Et toi tu captures cette pierre. Ok. Sache qu'ici tu peux capturer plus que cette pierre. Si tu viens en O2. Euh, S'il si monte, tu captures la pierre et en même temps ces deux-là. S'ils dit non, je vais protéger. Euh, je pense que tu peux venir par ici. S'il va là, tu viens ici. Il est enfermé et il aura qu'un seul œil en capturant cette pierre, donc en fait, à la fin il va mourir en gros, et tout ça sera condamné. Et s'il veut sortir, euh, tu peux faire Atari, qui capture la pierre, et tu t'en vas. Et en fait, même s'il pousse, bah, tu t'en vas autant que tu veux, de toute manière, et même tu peux faire le. Au bout d'un moment, tu peux faire le, le année, hein, tu es en avance. Euh, la coupe ne marche pas. Et il a qu'un seul œil, et il meurt en gros. Et il a juste des pierres qui servent pas à grand chose ici. Donc en fait, ouais, t'as un petit Tsuji ici. Tsuji, c'est un coup remarquable. En fait, c'est un coup infaillible qui, euh, qui n'a pas de bonne réponse, vraiment. Donc là, blanc serait plutôt sacrifié et, et s'en aller, quoi, j'imagine. La meilleure séquence. Et oui, il essaye, ici, il essaye de sauver toutes ses pierres. Mais comme tout à l'heure, il, il joue des coups vraiment pas solides parce que je vais euh, entourer en gros et on verra. Le problème, c'est que ça marche pas. Donc euh, ouais, t'as bien répondu, tu captures ta pierre tranquillement en soit dans la partie, c'est bien parce que ça connecte toutes tes pierres, et en soi, il va juste courir avec quelques pierres. Il va comme ça, tu bloques. Et il meurt. Ok. <laughs> Encore une fois cette gueule de tigre. Ici, vraiment, hein, tu peux. Mince, pardon. Tu peux connecter. Pas besoin de faire ces gueules de tigre. Les dit que tu retrouves souvent c'est comme je te disais ici on, a, on peut avoir un peu le... imaginons ici tu es en danger euh, tac tac et ici au lieu de te connecter comme ça si tu n'avais pas beaucoup de place oui là tu peux faire ça parce que ça, tu commences à voir tes deux yeux c'est rassurant on va dire c'est une belle forme mais dans la plupart des autres situations où tu l'as joué tu n'avais pas besoin parce que ça faisait pas c'est pas un développement beaucoup plus rapide en fait blanc il peut aller là du coup tu connectes il va descendre pour lui dire oh, ⁇ Regarde, je peux connecter mes pierres ⁇ et quand tu coupes, et ensuite il revient là. Et finalement, il a gagné quelques coups gratuits pour développer euh, le bord su sud-ouest. Donc c'est assez intéressant pour lui. Le coin sud-est. Hop, donc là, connecté en dur. Et effectivement, il est mort. Donc t'es tranquille. Pour lui... Il aurait peut-être dû essayer ça, mais je ne suis même pas sûr que ça marche vraiment. Il faut pousser ici, couper là. S'il voulait tenter quelque chose, c'est plus ça, mais j'ai un gros doute sur euh, l'utilité. Je pense que ça marche pas du tout. Peut-être qu'il peut bloquer, mais ça a l'air très complexe pour, euh, pour Blanc en fait. Parce qu'il y a des coupes un peu partout. Donc euh, ouais, c'est à prohiber je pense. C'est à prohiber. Normalement tout marche pour noir. Ouais. Donc tu le tues. Ouais, il est fini là justement, ouais. Et il essaie de passer par dessous. Ok, le problème c'est qu'ici, même en bloquant, tu connectes et il vient là. C'est une forme en 3, tu vas au milieu et c'est mort. Donc ça, ça marche pas pour, pour blanc. Me ta reculé, c'est tout aussi bien. Et tu ignores. Parfait. Parfait, parfait, parce que comme on dit, hop, il est mort. Donc même en jouant en premier, ça ne marche pas. Donc là, il... c'est une des pires choses au go de mourir en goûter, en perdant l'initiative. C'est toi qui peux jouer ailleurs en premier. Ça, c'est vraiment assez douloureux pour, euh, pour Blanc. Tu viens jusqu'ici. Bon, oh, là, t'es un peu gourmand, par contre. <laughs> t'as beaucoup de points, t'as pas besoin de jouer. Euh... Là, quand il répond ici, tu peux tout simplement reculer. Là c'est pas très solide. Et imaginons que ça se joue comme ça. Il faut faire attention à ne pas mourir en gros dans le coin par exemple. Quoi. Imaginons une séquence du genre. Ça serait dommage. Même si ça ne suffirait pas pour Blanc. Pour revenir dans la partie. Bon, pas besoin de lui donner les points non plus. En fait, dès le départ ici, tu peux plutôt jouer euh, tout simplement ça. Ou ça. Pour fermer cette zone. Ouais, de toute manière ici, blanc devrait abandonner plutôt. Euh, J'ai fait le ponoki en bas à gauche. Ok, on va regarder ça. Tac, tac. Hop. Tu coupes, ok. Ok, tu sacrifies. Ah, hey, il t'a laissé vivre ici. Non. Comment Ah oui, moi bon, ici, je ne commente pas trop, c'est assez euh, chaotique. Effectivement, tu empêches qu'il connecte, ouais. Voilà, vous avez tous les deux été trop gourmands et ça met en péril ton groupe. Et là, tu vois, maintenant tu dois vivre avec ça. C'est assez compliqué, c'est assez chiant. Euh, vraiment dans la partie. Hein. À ce moment-là, tu joues là, il vient ici, tu joues là, tac. Et euh, tranquille. Tu joues juste des séquences comme ça. Tu connectes toutes tes pierres et c'est fini. Même s'il fait ça pour menacer. Ah oui, ça, ça peut peut-être passer. Hum... Juste ça, tout simplement. Ouais. Voilà, tu joues comme ça. Solide, t'es largement en avance. L'estimateur, il dit combien à ce moment-là, d'ailleurs Ouais, plus 20. C'est largement suffisant. Même plus parce qu'il compte que c'est mort en haut à gauche. Ouais. L'estimateur de KGS est toujours aussi pourri. <laughs> Donc ouais, t'es es large, tranquille, t'es en avance de 30 points. C'est très bien. Donc... En bas à gauche, comment t'as vécu Hop, hop, hop. Ok, ici il faut déjà vivre là. Bon, tu prends l'espace. Ça vit, mais c'est pas très beau, c'est sûr. Hein. Ok, tu prends ces deux pierres. Bon, ok. Je veux pas trop commenter, là c'est... Il n'y a pas de grand principe à... à expliquer ici. Et en bas, à gauche, tu vas vivre, quoi. C'est... Parce que normalement, tu joues ça, il joue ça. T'es mort. Et euh, tu joues ça, il joue ça. Mais il a il a répondu ailleurs du coup quand t'as fait ça. Ici ok, bon c'est du YOC hein. Tu joues ça. Ah ok ouais ouais il a pas su quand tu es. Et là tu joues là. Et t'es vivant. Pas mal. <laughs> Bien joué. Deux yeux. Et en vrai c'est énorme. Hein. Parce que toi tu fais deux points, mais le nombre de points que lui, il ne se fait pas. C'est super conséquent. Bon allez. On a fini sur cette partie je pense, même si ça dure encore un petit peu, mais c'est du OC.